John Joel Joseph Ambacode dans le pays Jamaïque. Ensuite, eh bien, Madame John Joel Joseph, yon véritable et allié dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là, eh bien, Madame Monsieur Ambacode, qui nous parle invité, gen tout un dernier détail, eh bien, comment arrestation ça lui-même était arrivé possible. Là nous connaît, eh bien, la justice haïtienne fait tout ça, yo capable pour rendre, eh bien, et dossier assassinat, enquête assassinat président Jovenel Moïse là, eh bien, pas jamais et sorti là, arrivé là, tellement et c'est même nèg qui n'en pouvoir et c'est même eux-mêmes qui t'a participé dans dossier assassinat président le fait de Ariel Henry qui en pile monde et ben l'on doit être dans figure et même communauté internationale là fait connaître donc Ariel Henry participer dans la mort Jovenel Moïse. Et bien nous pourrons porter tout détail pour vous et nous pourrons porter tout détail pour vous pour nous faire connaître et bien comment et donc et la police dans le pays Jamaïque est arrivé fouqué et John Joel Joseph à toute madame ni et vidéo ça la gan pile information encore et gi en pile soupçon sous Moïse Jean-Charles. En tout cas gien dossier rete connecté n'ap tout. Mais nous te dit pas oublier que dans cadre investigation nous te dit que justement dans cadre John Joel Joseph et yo te arrêté la police jamaïcaine a arrêté avec trois moun et nous apprenons que justement dans cadre investigation nous c'est madame John Joel Joseph que la police a arrêté et sans compter avec deux l'autre petite li qui actuellement en bas code mesdames messieurs. C'est certain, nous pral bon plus explication, nous pral bon plus info et au-delà de ça faut nous poser nos questions hein, mesdames messieurs. Jodi a la nous voyons que l'amour président Jovenel c'est un tchaka. Est-ce que sincèrement, est-ce que Moïse Jean-Charles, est-ce que nous pensons que Moïse Jean-Charles innocent dans l'amour président Jovenel Moïse? Est-ce que vous pensez, ou même qui a supporté Petite Dessaline, ou même qui a supporté Moïse Jean-Charles qui tourne à grandement, qui prend toute forme, est-ce que vous pensez que Moïse Jean-Charles pas impliqué directement dans la mort président Jovenel? Là, nous-mêmes, nous écran, nous, c'est Chanel Mouna Fèvre TV, nous avons posé les vraies questions. Parce que l'heure que nous apprenons que justement, Lis Kitel, eh bien, c'est monsieur qui baille passeport à John Joel Joseph pour le grand sauver, quitter le pays à la Jamaïque. Est-ce que vous pensez que Moïse Jean-Charles n'est pas au courant de ça? C'est des questions qu'il a posées, nous pas fait des accusations directement. Mais, ou même, ou avez des derniers mois. Évidemment, nous pouvons parler avec Salomon et nous avons pile en pile info, justement. Voilà, Salomon, nous avons salué, comment est-ce? Bonjour Jimmy, bonjour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Dans le monde a fait bon TV, dans les internautes, et sans oublier, dans les diaspora qui a écouté nous à travers le monde là, nous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine, et nous sentons qu'il a commencé content, et nous sentons que dimanche a commencé belle dans tout le monde, et maintenant là, Jimmy, qui commence à prendre les visuels là, surtout le monde qui est en Europe, il commence à prendre les visuels là, des bois balancés, qui dit bon Dieu, merci, 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 merci. Comment il va faire louange pour mon Dieu et que mon Nadimi, après 6 mois, qui va jamais qui est bouchon, qui commence à appétit au Dimi, ça veut dire commencer, puis à commencer à monter, grâce à commencer à descendre, auditeur, auditrice, Chanel Moun a fait bon TV, nous avons combien de monde qui va venir témoigner en bas de la vie, Vladimir. Mais du coup, j'ai une auditrice qui était en devenir bien bonnet, avec ce que mon rêve, l'hyper de John Joel Joseph, mais il va prendre ce qui va arriver. Même pour les parents, en pile témoignage, nous avons dit nous, continuez la prière, ça compte prier, ça compte de continuer de l'eau, ça qui continue et fait, bah, on est astrologie, fait, parce que nous-mêmes, nous avons utilisé tout, nous avons utilisé tout ça nous connaît pour que Jovenel Moïse soit une justice, et nous, à travers prière, nous, à travers bleu, la vérité, à travers gros et rituel que nous avons fait, nous, ces blancs commencent à virer la nuit jusqu'à ce que c'est même blanc ça, je dis, qui commence à mettre la terre pour l'arrêter et nous, comme on dit, des assassins, des criminels, et nous connaissons, je dis, et nous, on a dit présumé, et je dis, qui participent dans l'assassinat, la mort président Jovenel Moïse. Voilà, et nous avons commencé directement, mesdames, messieurs, qui s'est calgué dans la ville là? Qui s'est calgué dans la ville là? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas répondre à la question ça. En nous, qui est-ce qui répond pour nous? Calgué, c'est dans la ville là. Oui, merci Zoki qui pral genzen dans ville là, déjà genzen. Oui, nous parti 360 sans filtre comme d'habitude toujours dans le respect et mesdames messieurs, oui, bon côté justement nous apprendre et bon côté et nous parler la police jamaïcaine
eh bien arrestation ça on a on rentre sous dossier ça et Salomon. Eh bien, je m'en apporte rapide avec information John Joel Joseph là, nous connaissons. Et jusqu'à présent, nous avons des champagne qui débouchent là, nous avons des billets là, parce que nous avons des glace dans la glace, dans la bouche, avec l'alcool dans la bouche, parce que c'est vraiment affiché par rapport à ça qui est bien. Eh bien, n'importe direct dans la question, John Joel Joseph là, nous connaissons une information qui est importante. Trois mouns ont arrêté à John Joel Joseph là, et bien, ils ont parlé, c'est Madame Lee. À député, les Américains qui sont armés de Simonio, là, pour Jabal, pour Jab Simonio, là, bien vivre. Et mais à député, les autorités jamaïques, ils ont déjà entré en contact avec l'autorité haïtienne. Il y a une enquête qui déjà l'ouvre pour qui est un sénateur. Comment qui est un sénateur fait vivre les Jamaïcains? Ils ont connu Haïti à Bruel parce qu'il y a un traité d'extradition en deux pays. Mais pour ne pas les baguer, traité d'extradition, nous songeons qu'ils sont pas là sur cela. Et mais Jamaïque dit, et mais, ça y est question extradition. Là, vous êtes tout volé, nous, comment, ça va être vers le Colombie, et mais, il veut pas dans ma vie, vous êtes arrêté, lui. Et mais, je dis, pays Jamaïque, nous, il faut poser avec question. Vous êtes en contact avec les Guissiens, pour poser avec ça, qui tient la justice, en FBI, la justice FBI, qui tient FBI, qui met l'enquête, lui. Après, lorsque nous mettons du temps, lorsque nous gagnons, il y a un président qui est élu. Lorsque nous avons justice commencé à renforcer, eh bien, next year, on a commencé à faire contact avec un pays, soit pays Jamaïque ou pays États-Unis, pour voir next year, nous, pour venir juger dans le pays. Mais pour le moment, côté gay, il y a un ministère de la justice, hein, qui a dirigé par Beto Dolce, nous connaissons qui a accusé des viols, des vols, des questions de drogue d'hilaire. Nous connaissons, nous avons qui était là, et nous attendons même liste qui était là encore. Non, si c'est une question à affaire, kidnapping, il était kidnappé, on passait. De plan, c'est pas nous dire, c'est Pierre Spence qui dit. Et mais je dis encore, nous, c'est même qui tient ça encore, qui joue moyen, qui fait, et c'est l'information que nous gagnons, qui fait faux passeport, qui fait passeport même, et bien, John Joel Joseph a pu se faire aller dans le pays Jamaïque. Et lorsque nous gagnons, il y a un tête primatique qui a dirigé par Ariel Henry, nous connaît, et non impliqué, il y a même traité comme un présumé assassin. Nan dossier la mort Jovenel Moïse Dimi, ça veut dire nous gagnons un CSPN qui a dirigé par des malcois. Est-ce que je dis nous capables de extrader des démons qui sont vraiment importants? Et je dis des mouns, même le chef Marcel va jouer pile, mais des démons qui ont sauté des quatre mirailles, même Maïn Gouver a sauté la police, ou un qui m'a un gouverneur qui a voué sur eux, ou un qui m'a un gouverneur qui a composé par eux, et des mouns qui ont programmé à côté à pas. Après, vous pouvez parler, et bien, pour avoir tant de sens sur Dumi, et bien, je dis, nous allons parler d'extradition, et bien, pour qu'ils soient haïtiens, Dumi, nous, en peu, mon avis, jamais ils font poser à Baïsa, pour qu'ils ne parlent pas de sens, pas d'extradition en DPO, et bien, pour John Joel Joseph, pour qu'ils soient extradition en Haïti et pays jamaïque, auditeur, auditrice, c'est le monde à faire bon TV, et bien, nous sommes dire là, nous, là, dans le cas Dumi, pour nous parler des questions John Joel Joseph. Oui, pas oublier que je nous dis que justement, eh bien, trois mouns que la police et jamaïcaine a arrêté au-delà de John Joel Joseph. Eh bien, nous parlons de Madame Ni, Madame John Joel Joseph, qui en bas accorde, dans mon appel là, la police jamaïcaine a arrêté et ainsi de petites li. Évidemment, nous disons que justement, bon côté la Jamaïque, yon gant entré en communication avec autorité haïtienne yon. Donc, yon parle d'extradé, bon, est-ce que c'est. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas qu'on info pour nous connaître exactement est-ce que c'est Madame John Joel Joseph, possiblement, qui a retourné en Haïti pour aller piger Penny. Et parce que pour l'instant, pas qu'on rien que nous-mêmes, nous n'avons pas qu'on rien nous capable de reprocher Madame. Nan, ok? Et est-ce que c'est de lui-même qui a parlé possiblement Salomon pour être extradé avec des timounio vu que vous êtes rentré de façon illégale. Bon, ça, c'est quand même un criminel quand même, parce que vous êtes rentré sous territoire jamaïcain de façon illégale. Mais au-delà de ça, et pas oublier que dans le cas de John Joel Joseph, FBI a montré intérêt pour John Joel Joseph, mesdames, messieurs. FBI a gagné intérêt sous lui. C'est ce certain ça qui est passé avec Antonio Palacios. C'est clair et net, il va passer comme ça. Il va passer comme ça. Je pense que dans les jours, dans les semaines, nous apprenons plus sous détail ça parce que nous avons une info cabine de genoux. FBI vraiment voulait mettre la patte directement sous John Joel Joseph pour être extradé. Pour l'instant, pour qu'on fait, mais l'essentiel, nous sommes bonne voie, mesdames, messieurs, pour nous commencer à jouer une justice. Et dans le cas John Joel Joseph,
li important, c'est un élément qui important dans casse-tête là. Pour quelle raison? Bon, si monsieur gagné dans figure tout d'abord. Parce que normalement, lorsqu'on moun yo arrêté avec madame ou avec débit c'est tout, techniquement ou ta supposé un monde qui plus sensible, ou ta supposé un monde qui t'a voulu parler de parler. OK? Donc jusqu'à maintenant, li prouve nous qu'elle gagne, li gagne un minimum d'attachement en dit pour madame ni pour petite li. Donc li prend yo, li parti avec yo, li sauver avec yo. Dans cas FBI, peu importe autorité, hein, la facile pour faire John Joel Joseph parler mesdames messieurs à cause que monsieur gagne madame ni gagne petite li avec lui. Mais Salomon, nous pas naïf. N'a pas bloqué mesdames messieurs, bon côté monsieur Sayo. John Joel Joseph c'est en mois de décembre là, il a quitté Haïti la en Jamaïque. Pas oublier que avant monsieur Sayo parti, yo souvent parlé entre eux-mêmes. Yo souvent t'a dit que si yo t'a arrêté au Jamaïque, peu importe dans qui pays hein, dit qu'on pas connait Ariel Henry, ça c'est clair. Nous pas égaré mesdames messieurs. C'est sûr certain monsieur Oligat Sayo a gantan relé yo dit ah mon cher si yo t'a prend jeto pas cité nom. Ça c'est des bagailles que tout le monde connaît, mais c'est sûr certain intuition nous dit nous que John Joel Joseph l'a parlé, l'a déparlé, et techniquement je nous toujours demandé mesdames messieurs mettez-le sous détecteur de mensonge. Oui Salomon, on va aller sur ça par rapport à madame Lipipit Liopra. Eh bien, Jimmy Nafsalier et Joey Philibert et nous connaissons qui absent de nous là. Oui Jimmy, et pour quelle sont madame John Joel Joseph Liopra, nous connaissons toujours dit. Et nous connaissons madame John Joel Joseph par rapport avec qui est dans le pays jamaïcain et avec faux papiers. Mais ils ont obligé d'arrêter et couper famille ensemble. Mais ils vont obliger que John Joel Joseph soit États-Unis ou bien côté de là. Mais madame lui-même, s'il y a un passeport, s'il y a un visa États-Unis, nous ne savons pas ce qu'on va faire pour lui. Mais madame avec petit Yadjimé, nous connaissons. Et depuis, on va impliquer, nous connaissons la justice en lit différent que par rapport à ce que nous n'avons pas impliqué dans le dossier, dans le pas de Kimberly. Oui, la question de migration pour servir avec vous, mais John Joseph, il a parlé lui-même, parce que quand j'étais caché, c'est vrai, il fait des testimonies, des les anges, pour dire bon, il y a toujours des générations en générations, on paye ça, parce que les papas vont vraiment faire un bagage. Longtemps, les papas vont voler, pas de monde qui a voté bon côté, pas de monde qui a besoin de ou pas de monde qui a parler ensemble avant. Eh bien, c'est ça qui arrivait, petit John Joel Joseph là. Vraiment, ça a tout fait Simonio, et qu'on a la gagné qui sont mettés. Ou d'abord, Simonio mette en côté, voler l'école, et puis qu'on a fait éducation pour comment. Ou arriver, sénateur, dans des conditions est vraiment inacceptable. D'abord, bon, mais ce qu'elle nous dit, on est pour John Joel Joseph. Auditeur Chanel, nous avons fait bon signe. Quitter, lever cité soleil. Je ne veux pas dire parce qu'on lever cité soleil, c'est un mal lié pour ça. Parce qu'il fait partie Haïti. Maintenant, l'on lève dans bidonville cité soleil. En 2004, John Joel Joseph prend grand âme, là, le goumé, bon, pas me dire goumé. Andy a fait kidnapping, a fait des télévies, zap marionnette, entre qui rap pas caca. Et il est tellement comme bataille, il mettait une porte-parole, Dieu lui-même. Donc, on est sorti, une porte-parole, Dieu lui met, nous comptons tout ça, Dieu lui met faire d'un pays. Eh bien, préval, c'est bien du contrôle, cité soleil, lui font élection pique et collée, et lui mettez, c'est là, John Joel Joseph, sénateur, sous qui est, s'il vous plaît? Sous Mario Vio, il y en a qui bien formé, qui bien éduqué, même le balabou de Tibé, rien. Mais au moins, sous des gros Mario Vio, dans le Sénat, en 2009, juillet 2009, au moins, on s'est capable de gagner. Et c'est là qui est plus important. Lorsqu'on est qui n'a pas même terminé étudier, qui n'a pas même consacré les droits, qui n'a pas même eu une bonne communication, ou pour le Sénat, il va aller pour le département encore, le département de l'Ouest, et je dis encore, John Joel Joseph, venu vers le Sénat. Nous connaissons John Joel Joseph, et par rapport à Poitiers, c'est la première fois qu'il est dans le dossier de Sayo, c'est un bon dossier louche. Lorsqu'on est qui est vraiment un homme, a tué, a kidnappé, ça veut dire, je dis, pour non abstiter dans la question et assassiner le président, ça c'est juste lié pour lui, Jimmy, parce que c'est dans ça levé, c'est dans le barrage, c'est ça le congrès, la fête. Eh bien, je dis, nous, on attend qu'on est au John Joseph, nous, la vie, la nature, bonne chance pour qu'on fonctionne pour le contrôler. On n'a pas aussi mon zaou d'éduquer, on n'a pas battu la société pour former tout, pour mettre tout en l'autre orientation.
pour faire un monde, tout nos exemples pour les jeunes en dessous du soleil, mais je dois aller sortir. Alors, comment faire vie de tout le monde? Je ne sais pas si vous comprenez tout le monde qui est dans mon moment là, pour que vous ayez des papas pour qu'ils soient assassins et pour même pour tout mélanger dans ce sens là. Pour les madames, bon, madame Jean-Joël Joseph, qui même pas le coup, il dit en Edeline. Oui, non, c'est ça. Mais, non, quand la madame, bon, on connaît que femme, c'est un bête qui s'est tiré, en pile là-dedans, yo. Yo si tiré. Mais techniquement, Jean Loudil, c'est sûr et certain, il va l'extrader, mais c'est une question de temps pour extrader vers les États-Unis. Et nous connaissons que il va déparler, mesdames et messieurs. Parce que poisson encore qui est dans le gorge, tout bon. Et là, nous dit poisson encore qui est dans le gorge, c'est pas simplement dans le cadre. Et monsieur Sao, non? Pas oublier que même les États-Unis, tout, hein? Président Jovenel Koke nan gòj yo tout parce que dossier ça son dossier que yo pa gen choix toucher yo pa gen choix pas toucher dossier ça parce que les yeux le monde entier le tout monde a parlé de même bagay là tout on a dit mais qu'est-ce qui se passe ça qui a passé avec Haïti comment fait les États-Unis là yo pa aider donc puis gon l'autre dossier en même temps pas oublier que gen moun ki di que justement Haïti et président Jovenel il était commencé